Moi, je suis très déçu parce que je pense qu'on fait une erreur importante. D'abord, le promoteur a fait une erreur importante de 18 pieds. Là, c'est pas 2-3 cm. Des dérogations mineures, c'est supposé être mineur. Ça, c'est une dérogation majeure en tant qu'à moi. Et c'est un promoteur qui savait ce qu'il faisait, qui a déjà construit des maisons aux bons endroits. Il connaît nos règlements. C'était même sa maison modèle. Fait que s'il l'a fait, certains parlent d'une erreur. Moi, je suis pas convaincu que ça soit pas quelqu'un qui a été carrément négligent. Et ce que ça fait, c'est que la rue va être moins belle. Puis elle sera pas juste moins belle pour 4 ans, elle est moins belle à vie. Parce que à partir du moment où on a accepté ça, c'est bon pour toujours. Puis il y a deux autres questions qui se posent, c'est quel message on envoie aux promoteurs? Vous payez une amende de 2 000 $, vous êtes prêt à faire n'importe quoi? Ça marche pas, ça. Puis l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on répond aux gens qui travaillent fort pour respecter nos règlements, viennent nous rencontrer, refont leur projet, adaptent leur projet, dépensent du temps, de l'argent? Bien là, ces gens-là, ils vont dire, moi, je vais faire à ma tête, je vais payer 2 000 $. Pour moi, c'est une erreur importante qu'on a faite là.